Salut à tous et bienvenue dans ce tuto, 11e tuto consacré à DaVinci Resolve. On va parler aujourd'hui de la stabilisation. Alors j'ai pris plusieurs clips ici, on va voir plusieurs types de stabilisation. On va commencer par regarder celui-ci en grand. Alors je mets en boucle quand on est en grand, ça évite de passer sur le clip d'après, c'est assez pratique. Alors ici, on va regarder, voilà, on a quelques problèmes, notamment au premier plan. De stabilisation sur le trépied. Hop, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour stabiliser, on va venir dans le petit bouton ici, tracker, et puis dans la partie, dans le menu déroulant ici, on va choisir stabiliseur. Donc, on se retrouve ici dans l'outil de stabilisation. Et on va devoir bien comprendre ici l'analyse. Alors l'analyse, c'est ce que vous allez demander à l'ordinateur d'analyser comme mouvement dans l'image. C'est-à-dire que on va lui demander d'analyser pour pouvoir le corriger ensuite le mouvement de pan ici panoramique, c'est-à-dire le mouvement de droite à gauche. On va pouvoir lui demander de mesurer et d'analyser le mouvement de tilt, c'est-à-dire de haut en bas. On va pouvoir lui demander d'analyser le mouvement de zoom, donc avant-arrière, et le mouvement de rotation, pour terminer, rotation donc quand l'horizon bouge, on va le voir dans le clip suivant. Donc ici on a vu que sur mon clip, hop, s'il veut bien faire la lecture, j'ai des petits mouvements comme ça, droite-gauche au bas, classique sur un trépied, donc j'ai pas besoin d'analyser le zoom, ni la rotation. Il faut savoir que plus vous serez précis dans votre demande, mieux ça sera votre stabilisation, parce que sinon vous allez analyser l'ensemble des quatre paramètres et ça va des fois créer un petit peu des petits problèmes, notamment pour compenser une espèce de rolling shutter, etc. Donc pensez à vraiment faire la demande de ce que vous voulez stabiliser. Donc ici le droit de gauche panoramique et le haut bas le tilt. Donc je vais me placer au début, on n'est pas obligé de se placer au début, mais ici je me place au début et j'appuie sur le petit bouton play. Il me place des petites croix un petit peu partout, qui sont des endroits où il va se fixer sur l'image pour analyser. Donc là c'est terminé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur hop, stabilise, pour venir voir la stabilisation qu'il a fait par rapport à ça. Et donc pour faire une image stable, c'est-à-dire que par exemple ces fleurs ne bougent pas, elles restent au même endroit. Hop, il va venir descendre l'image. Regardez ici en haut. On va vite voir. Alors on le verra mieux si on fait ici dans les options, général options, on va mettre use gray to background. Hop, comme ça. Ça permet d'avoir du gris sur les côtés. On va dézoomer un petit peu. Comme ça, on va voir le noir ici. Voilà. Vous voyez ici, on voit qu'il me descend mon image pour laisser les fleurs toujours au même endroit. Il compense en fait le mouvement tout au long de la lecture. Là, au départ, on part ici. Et là, hop, il compense. Ici aussi, il compense un petit peu. Donc, hop. Pour ne pas avoir ces barres noires, on va cliquer sur zoom de manière à zoomer dans l'image, hop, et éviter juste, on va se mettre juste au bord de la bande noire et on va voir comme ça un plan un peu plus stabilisé. Voilà, là on n'est pas trop mal déjà. Il faut savoir que stabilisation égale zoom dans l'image. Il compense et donc pour pas voir la compensation, le mouvement qu'il fait sur l'image, il va zoomer dans l'image. Donc plus vous allez pouvoir filmer dans des définitions hautes, mieux ça sera pour la stabilisation en post-production. Avec des GoPro par exemple, vous utiliserez le 2,7K ou le 4K pour ceux qui ont la chance d'avoir la Hero 4 Black Edition. Les caméras style GH4 qui filment en 4K, les Blackmagic et tout ça, voilà, ça va bien servir d'avoir une grande résolution pour stabiliser et rester, malgré le zoom de l'image, rester en 1080p,
comme résolution de sortie. Donc ici, il m'a fait, voilà, on a vu une première stabilisation. On pourrait essayer d'utiliser le mode Interactive Mode ici, en cliquant sur le petit bouton pour voir les croix qu'il a choisi. Et là, on voit qu'il a placé donc des repères sur le sol. C'est très bien, puisque c'est ça que je veux analyser. Le haut de l'image aussi, puisque ça me permet de voir si, ma caméra bouge par rapport aux lignes comme ça, ici, etc. C'est très bien. Par contre, il m'en a placé sur le sujet. Et lui, le sujet bouge dans l'image. Donc ça va faire un mouvement qui va venir perturber ma stabilisation. Donc on pourrait comme ça, puisque mon sujet va venir jusqu'ici, je vais décider de ne pas prendre en compte toute cette partie de paramètres. Je vais venir restabiliser, faire rescanner mon mouvement. Comme ça, je ne prends pas en compte mon sujet qui pourrait venir perturber ma stabilisation. Hop, je stabilise. Ça n'a pas bougé beaucoup. Mais ça va permettre, parfois, ça peut vous aider à éviter des problèmes. Voilà, donc on a une stabilisation plutôt correcte ici. Sur ce plan, on n'est pas trop mal. Ensuite, on va passer à un autre plan, un peu plus compliqué. Hop, ici. Ici, c'est filmé avec un stabilisateur type Glidecam, mais qui n'est pas tenu en bas et qui fait donc l'effet bateau. Regardez l'horizon, il penche d'un côté, puis de l'autre. Et donc, ça fait cet effet de rotation par rapport à l'horizon. Et on va essayer de compenser ça avec la stabilisation. Donc, on l'a vu, mon plan va de droite vers la gauche. Ça, je ne veux pas le compenser, je ne veux pas toucher à l'analyse de mon panoramique. Je ne veux pas trop toucher pour l'instant à mon tilt, le haut-bas, ni au zoom. Par contre, ce que je veux analyser, c'est l'effet de rotation. L'effet de rotation ici, je vais venir hop, voilà, scanner un petit peu ce qui se passe dans cette scène. On voit que de suite ici, le rotate, ici, il décolle. Beaucoup. Il a détecté une forte rotation et a priori ça veut dire qu'il s'est mal repéré. Regardons maintenant si j'enlève le zoom, je fais juste une stabilisation, on voit déjà que là il compense mon horizon. Et ici, je ne sais pas sur quoi il s'est basé, mais voilà, effectivement, il vient faire quelque chose de très stable à l'intérieur, mais complètement barré quoi. Aucun rapport avec ce que j'ai demandé. C'est stable, certes, mais ça ressemble à rien. Alors, du coup, je vais me remettre au début. Je vais passer en mode interactif. Et je vais me dire qu'est-ce qu'il faut supprimer et qu'est-ce qu'il faut garder. Ici, ce que je vais analyser, c'est beaucoup des choses qui se trouvent sur l'horizon. Ici, on a un point intéressant. Ici, par l'île, etc. Donc, tout ce qui est ici, hop, les touristes, ça va dégager. Tout ce qu'il va y avoir au sol, ici ça va dégager, on va garder ça, on va enlever tout ce qu'il y a sur la gauche, et on va garder voilà, le restant, on va refaire une nouvelle analyse. Et là cette fois-ci vous voyez qu'il a corrigé, le mouvement de rotation est beaucoup plus proche là ici de la ligne de base. Voilà, donc je stabilise, cette fois-ci. Voilà, bon, j'ai encore une forte compensation là, de l'horizon. Ce qui fait que quand je vais zoomer, voilà, ici aussi, j'ai une forte compensation. Ce qui fait que quand je vais zoomer, je vais faire un très gros zoom à l'intérieur de l'image. Certes, ça va être très stable, mais j'ai beaucoup zoomé. Voilà, alors ici on a quasiment plus cet effet de rotation. Voilà, l'horizon reste toujours à peu près à plat. Voilà, je pourrais choisir de smoother un petit peu le résultat, c'est-à-dire ça c'est la rigueur avec laquelle on s'y tient à la
à la correction. Donc si je viens smoother comme ça à 99 au maximum, je vais rendre smooth, donc doux, mon effet de compensation. Et donc du coup, adoucir un petit peu mon effet, adoucir un petit peu ma rotation d'image et ma correction. Du coup, je zoome un petit peu moins. Donc voilà, ici on va considérer qu'on a une correction qui n'est pas mauvaise. On va venir ici sur quelque chose de beaucoup plus hardcore. Alors, ici, voilà, j'ai beaucoup de rotation. En panoramique, j'ai rien à corriger. En tilt, ça bouge pas mal. Donc ici, on va faire une rotation et un tilt. On va analyser ça. On va mettre le smooth à 0. Alors, le smooth, de toute manière, vous pouvez faire juste le bouger, stabiliser. Vous n'êtes pas obligé de refaire une analyse à chaque fois, hein. Voilà, donc je termine mon analyse. Donc là, j'ai voilà, de fortes compensations là sur. C'est le tilt. Hein. Ici. Et donc, si je viens faire ici, faire. Stabilise, voilà, on voit que il y a une très très forte compensation. Si je smooth, hop, comme ça, voilà, il va essayer de d'adoucir. Si je diminue un petit peu mon strong, voilà, il va s'en tenir un petit peu moins à cette correction. Voilà, on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne ici, sans zoomer pour l'instant. Voilà, on voit que c'est largement stabilisé, hein, le plan ne bouge plus. Par contre, il va falloir maintenant, on va être obligé de zoomer dans cette image. Alors, si on avait filmé en 4K ici, on serait super bien, puisque voilà, c'est stable, je pourrais zoomer à l'intérieur de l'image sans aucun problème. Mais ici, on va être un petit peu embêté, puisque c'est que du 1080. Voilà. Bon, on n'est pas trop trop mal. On a fait beaucoup de smooth. On aurait pu être plus strict sur avec le strong, plus strict sur le respect de la stabilisation. Mais on serait obligé de encore plus zoomer dans l'image. Donc faut trouver un juste milieu. Ici, voilà, on bouge beaucoup moins que ce que c'était à l'origine. On a un petit peu zoomé dans l'image, mais bon, avec une petite correction. Ici, de sharpness. Voilà, puis une fois qu'on aura fait une correction correcte, on aura très certainement quelque chose de sympa. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour la stabilisation. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est sympa. Laissez un commentaire si besoin et pour passer un coucou, ça aussi c'est toujours cool. Et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. À bientôt pour la suite. Ciao!